Salut tout le monde, c'est Pure Humeur. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de notre aventure sur Zelda The Wind Waker HD. Enfin, The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Avec Dorian G4. Bonjour. Dorian est venu. Ouais. Parce que c'est quand même ton Link préféré celui-là. Ouais. Le Link cartoon. Il est pas plus classe que dans Smash Bros. Ah ouais? Smash Bros, c'est classe. Oh là, il est classe quand même, il est en HD. Ouais, là aussi, je joue souvent. Il est en HD qui pète sa race. Hein. Donc aujourd'hui, les amis, on termine. Fortress maudite. Vu qu'il n'y a plus le lampadaire là pour faire chier. J'aime bien, c'est son. Les trois sont désactivés. J'aime bien, c'est son bouclier, il est bien fait. Ah, t'as vu, il est pas mal. Voilà. C'est bien, c'est que les roulades, il va vite. Il va hyper vite. Pourquoi le Link, il va pas vite, le Link de base? Il y a certains Links qui vont pas vite. Lequel? Bah, Ocarina of Time va moins vite hein, que Wind Waker. Par contre, toi, si tu me fais échouer là, merde. Vas-y, va vers la gauche. Bah, non, ça c'est facile à passer. Fin... Allez, dégage, va vers la droite là. Une jeune. Mais... Même moi, je l'ai passé tranquille. J'ai hâte de pouvoir les vaincre. Yar, il m'énerve, allez, c'est bon, y'a rien. Truc de fou. Oh putain, il vient là en plus. Super, trop de chance. Vas-y. Voilà, impeccable. Ah, moi je trouve que quand tu fais des roulades avec, il va hyper vite. Ouais. Peut-être c'est une façon de voir. Hein. C'est peut-être qu'une impression. Moi je l'avais fait ce temps-là. Mais je suis sûr. Après, je suis allé dans la mer, j'ai fait oh, ok, c'est trop bon. Je retourne jouer à Smash Bros. Il y a carrément compris. Je tourne la tête. Putain, ouais, il a ces expressions, ce Link là. Voilà, comme ça, les amis, comme la première fois. Oula. Bravo. C'est bon, il n'y a plus le fameux lampadaire qui nous fait chier. Parce qu'en fait, il y avait un éclaireur là qui faisait chier. Ouais, sauf, faut les retirer. Voilà. Hop, 3 coeurs. Et en fait, je me suis chopé mon premier quart de coeur. Je te vois pas parce que là, t'aurais 4 coeurs. Arrêtez. Non, ouais, bah ouais. Le reste c'est le tacle, le premier quart de cœur. Quart. Team quart. Oui. Regardez les amis. Ton couteau. Ouais. Mon arme. Ouais. Oh. Merde, j'ai réveillé le garde. Et ce garde a un bouclier et une épée. Comme moi. Vous avez retrouvé l'épée du héros qui vous avait échappé. Prenez bien soin de ne plus vous en séparer désormais. Ouais. Tiens. Avec son épée, lui. Et voilà, défoncé. Et voilà. Moi je me rappelle un coup j'avais une boule violette. Oh ce magnifique bug, c'est beau ça. Moi le tien j'avais une boule violette. Ah oui, bah moi j'en ai pas encore eu. Qui donnait des rubis. Et hop, c'est parti les amis. On ouvre. Cinématique. Thank you.
Bon, je me suis fait jarter en mode violent là. Bim, dégage. Un toxique. Ah, me revoici. Comment il t'a dégagé? Ouais. Link, avec toi, Link. Allez, courage, Link. Ça y est, tu as compris? Je ne t'aurais pas cru aussi lent. Je t'ai fait peur? En plus, il se fout de sa gueule. Il est vrai que je suis le seul bateau sur Terre qui parle le langage des humains. Je suis le Lion Rouge. Rassure-toi, je ne suis pas ton ennemi. Link. J'ai observé tous tes faits et gestes quand tu allais délivrer ta sœur dans la forteresse maudite. J'ai admiré ta gentillesse à l'égard de ta sœur et constaté ton courage, mais tu t'es montré un peu téméraire. Je suppose que tu as vu cette silhouette menaçante qui manipule le grand oiseau. Il s'agit de... Ganondorf. Ganondorf avait autrefois formé le dessein de dérober aux dieux leur puissance et de plonger le monde dans les ténèbres. Par chance, les dieux réussirent à l'empêcher de parvenir à ses fins. Ganondorf est l'empereur du mal de la légende d'antan. J'ignore pourquoi le sceau des dieux s'est brisé, mais cet individu s'est ranimé et il revient menacer le monde avec ses forces maléfiques. Maintenant que je t'ai trouvé, que je t'ai raconté tout cela, Link, es-tu toujours sûr de vouloir aller libérer ta sœur? Tu es prêt à tout? Très bien. Dans ce cas, je vais te guider en te donnant des informations sur ce que tu dois faire et sur les endroits que tu dois aller. Mais Ganondorf est beaucoup trop fort pour pouvoir être terrassé par des forces humaines et à plus forte raison par un enfant. Seule la force que tu acquériras dans l'adversité pourra avoir raison de cet individu. Tu me comprends? Me comprends-tu? J'adore le mouvement de tête. Alors allons-y, la mer nous tend les bras. Oui. Enfin, presque. À vrai dire, nous avons un petit problème. Pour pouvoir partir, il nous faudrait une voile. C'est un bateau sans voile, car un bateau sans voile ne peut pas aller bien loin. Nous sommes loin, à l'est de la forteresse maudite, près d'une île réputée pour sa ville commerçante. Il paraît qu'on y vend et qu'on y achète des tas de choses. En cherchant un peu, tu devrais pouvoir nous trouver une voile. Tu veux bien aller voir ? On peut tout trouver sur cette île de commerçants. Ses habitants te donneront toutes sortes d'informations qui te serviront peut-être plus tard, alors écoute-les bien quand ils te parlent. Mais ne t'attarde pas en chemin, reviens vite ici dès que tu auras tout ce qu'il te faut. Okay. Bien. En gros, faut juste trouver la voile. Alors les amis, bienvenue à Mercantil. Tug Life. Donc Mercantile qui est une grosse île, qui est la plus grosse île en plus je crois, de ce Zelda Windwalker. Enfin l'île, c'est l'île à quête annexe quoi. C'est pas fou. En gros c'est ça. Ah. Vas-y, va le voir. Va le voir. Non ça les amis c'est juste notre kiff. Vas-y, va le voir. C'est ce, avant, t'as de c'est la ce gars là. T'as de la thune? Ouais. Combien? Dis pas que t'as 100 balles. J'ai 37. Bah, il va te prendre 20 balles. Oh non, merde. 15 et demi, genre juste 1. Il va pas te voler de la Ah oui, c'est vrai. Oh, ils sont bons les vases. Regardez. Nous, c'est notre kiff. Franchement, on a kiffé avec ça. Hop. Allo, je m'en barre. Clate-le. Et là. Comment oses-tu briser ainsi un vase de valeur alors que tu n'es même pas chez toi? Je suis chez moi. Méfie-toi, si tu en casses un autre, tu devras me le rembourser. Un coup les amis, un coup avec Dorlan, on a tout cassé. Je sais plus comment j'avais fait. Hein? Je sais plus comment on faisait. Et souvenez avec Zoro Ruby,
Vous les cassez, il dit dehors. Il te dégage. Alors, il faut aller voir lui. Ce mec. J'ai quitté mon pays glacial où souffle sans cesse le blizzard et pris la mer maudite pour rejoindre Mercantile. J'ai alors été pris dans la tempête, mon bateau a été entièrement détruit et je me suis retrouvé sur cette île avec un autre naufragé. Le pauvre a été arrêté et jeté en prison sous prétexte qu'il était habillé bizarrement. Sa cellule doit se trouver quelque part sur l'île. Je suis très inquiet pour lui, pensez-vous que vous pourriez lui venir en aide? Eh bien ok, donc voilà ce qu'il va falloir faire, c'est aller voir son ami qui est en prison. La prison, ça c'est une bonne question. Je sais où elle est. Ah ouais? Ah oui, ça, ça m'en revient. J'ai fait tellement de fois le jeu. Ouais voilà, il est là. Et j'ai fait moins 3 fois sans fil. La prison est ici les amis. Et on va voir qui se cache, c'est un visage très familier. C'est une vieille connaissance. Voici Tingle, que nous avons rencontré dans Majora's Mask. Salut ami. Tu me ressembles? Ocarina, je sais plus. Tiens, tiens, tiens. Même tenue verte, et même bonnet vert, serais-tu un lutin? Oh! La télépathie a marché et tu es venu me délivrer. C'est ça? C'est ça? Je n'ai même pas besoin de parler pour que tu m'entendes. Super. Hein? Je m'appelle Tingle, je voudrais devenir un lutin et je cherche quelqu'un qui puisse m'apprendre. Mais on m'a pris pour un fou et on m'a enfermé là-dedans. Quelle effroyable erreur! Délivre-moi vite, lutin, et emmène-moi trouver tes semblables. Moi, les parts, j'ai cru quand t'allais le délivrer qu'il allait fermer la porte et que tu devais te barrer. Ouais, moi aussi, je croyais qu'aussi il allait me jouer un sale tour, mais en fait, non. Ouais, il y a un mouton. Je peux pas le poser. Ouais, voilà. Poser. Non, mais tu sautes juste dessus. Hein. Je crois. Bon, ouais, c'est pas grave. Et let's punch it. Yeah! Thank you very much! Ça, dans l'on dit la phrase en anglais. Dans l'on dit très bien en anglais. Voici un petit cadeau qui vient du cœur. Thank you very much. Tingle, tingle, Kolimpa. Voici pour toi un objet. Tingle, tingle, Kolimpa. Vous obtenez la bouteille de Tingle. Vous pouvez désormais y placer des messages et les envoyer aux autres joueurs via Milverse. Et le radin, hein. Assignez-la à Y, X ou R pour l'utiliser. N'oubliez pas que vous devez être connecté à Miiverse pour écrire des messages. Tu connais Miiverse, lutin? Grâce à cette formidable invention, tu peux envoyer les messages que tu glisses dans cette bouteille aux lutins du monde entier. Oh, délicieuse vision, la communion des âmes. Tous vos petits cœurs de lutin battent à l'unisson. Mais n'écris pas de méchanceté, et surtout, je sais que ce n'est pas ton genre, lutin. Ça ne coûte rien de le préciser. Au fait, je vais retourner sur mon île. Rejoins-moi plus tard, Dak, d'accord? Ah, j'oubliais quelque chose d'important. Regarde là, j'ai cru. Lutin, tu veux visiter mon île, hein? Pas vrai? Pas vrai? Bah, pourquoi pas? Zotez la carte Tingle, mais qu'est-ce donc que cette carte? Consultez-la depuis l'écran carte quand vous êtes en mer. Ouvre-la à partir de l'écran carte quand tu seras en mer. Si tu as des problèmes avec des cartes, compte sur moi pour te donner un coup de main, surtout n'oublie pas. Bien. Et si tu veux rendre ta bouteille de Tingle encore plus oh là là, extraordinarissime. Ah ouais, c'est bien. Extraordinarissime. Jette donc un coup d'œil au fond de cette cellule, lutin. Allez, vas-y. Je sais que ça t'intrigue. C'est vrai que ça m'intrigue. Tu sais, là, j'ai cru qu'il allait refermer la porte et il allait faire bim, fils de. Grâce à Miiverse, vous pouvez maintenant envoyer des bouteilles à la mer. Donc, ça, je le vois au gamepad. Donc, je vais utiliser. Ramassez les bouteilles de Tingle que vous trouverez en mer sur le rivage pour lire les messages des autres joueurs. Vous pouvez modifier les paramètres. Recevoir une bouteille Miiverse. Ouais, tout le monde. Recevoir une bouteille avec révélation. Ouais. Non. Moi, je mets oui, ouais. Et voilà. Donc j'ai une troisième rubrique qui s'appelle bouteille. Bravo. Je sais que ça m'intrigue. Ça, j'aime bien cette phrase. Je sais que ça t'intrigue. Il a raison, en plus moi je suis curieux. Ah merde, par contre. Ah bah non, attends. Le voilà. Talent. Le talent, le mec il se bloque tout seul. Hop. Alors par contre, ne pas se faire avoir parce que dans ça il y a les souris. Il y a des souris.
Et les souris vous jouent des mauvais tours. C'est dans, en gros, ils... Tu sais que je me suis perdu, moi. Tu sais que je l'ai même pas pris, je l'ai pas trouvé, je fais de la merde. Hein. Ils ont une trappe, ouais, bah moi aussi, là, là je me sens bien, là, que je vais me perdre. Tout droit. Par là. Ah, je suis pas mal. Il y a un rubis, ça veut dire que c'est signe tout droit. Que c'est bon. Par là. Ah. Encore un là-bas. Tout droit. Ok. Donc là, comme vous voyez, là, il y a une souris. Donc c'est mauvais. Très mauvais signe. Hop. Ah, yes, on l'a trouvé d'or. Putain, moi, je l'ai pas trouvé. Yeah. Il avait raison, Tingle. Il avait raison. Donc ça, c'est un coffre moyen, les amis. Il y a trois types de coffres, ça, tu sais. Vous ôtez la boîte à images à l'écran d'inventaire, signé la boîte à images YX ou R. Vous pouvez conserver jusqu'à 12 clichés, le bouton ZR vous permet de les visionner. Donc ça, différence à version normale, c'est que la version avant, HD... c'était 3. Ouais, avant c'était 3, c'est horrible. 3, oula. Bah dis-toi, en fait, t'avais rien d'autre à foutre avant. Genre, tu rentrais, tu pouvais pas aller sur internet ni rien, y'avait pas. Ouais. Du coup, tu jouais à Windbreaker et t'essayais de toi voir. Tranquille. T'avais que ça qu'à foutre, tu passais des nuits à faire ça. Bon, par contre, je pense que je vais prendre une souris. S'il y en a une. Tu sais, ça sert à plus vite. Voilà, là, il y en a une là-bas. Comme ça, vous allez voir ce que ça fait. Non, mais il fait flipper. Salut, ami. On va pas être copains, hein. Voilà, les souris, en fait, peuvent pas nous blairer. Ne nous aiment pas. Hein, d'or ? Ouais. Bah, en même temps, ça retourne aussi, on les aime pas. Bah. Oh, une bouteille ! Notre première bouteille, les amis ! Oh, ça allait vite. Il y a encore des gens sur le jeu. On fait un plongeon. Ah, l'eau. Ça fait bien penser à l'été, ça. Putain, c'est ce qu'on va bientôt faire. Parce que là, en fait, on sera en vacances. Normalement, ouais. Si j'arrive à uploader cette vidéo, normalement, ouais. On est en vacances. On sera en vacances, on sera en train de bronzer. Il y a une donne envie et tout. Parce que là, on part demain. Alors, du coup, lui, ami. Oh, vous avez aidé l'homme dont je vous ai parlé. C'est fantastique. Lui, il a la vous classe. Savez, je rêve d'ouvrir une boutique sur cette île, mais je n'ai pas assez d'argent. Assurez-vous de m'acheter la seule chose que j'ai à vendre. Les habitants de Mercantile redoutent la mer. Ils ne voyagent pas et n'ont que faire de cette chose que j'ai à vendre. Je vous en prie, il me faut... Oh putain. Enfin, j'aimerais vous la vendre à ce prix-là, mais... Comme vous avez sauvé mon ami, je la laisse pour 80. C'est bon. Ah, j'ai passé. Ouh. Rien d'autre. J'ai rien d'autre à vendre. C'est triste. Ah non, mais je peux pas, quoi. Il faut 80 rubis, les amis. Il faut faire que je cherche 80 rubis. Où je pourrais farmer les rubis, tu crois, d'or? Hey, dis ta bouteille. Ah, ma bouteille, c'est vrai. Oh, Gordon, il va péter un boulon. Voilà ce qu'il y a, en fait. Bah, je vais le conserver. Hop. J'ai eu un cliché, les amis. Donc ça, impeccable. Hop. Non, non. Non, mec, fuis. Comment ça? Il y avait le vieux. Il t'avait repéré. Non. Casse-toi. Là-bas, une bouteille. Va chercher. Ah, attends, après. Poteau. Après, parce qu'il faudrait que je réunis encore 20 rubis. Fais un plongeon, il va chercher. Magnifique plongeon. De ligne cartoon. Alors, où je vais trouver 20 rubis, alors, tu crois? T'as une idée? En haut. En haut, là? Ouais. J'ai pas accordé. Ah ouais, mais c'est la maison du roi, là. Enfin, bah ça, ouais. On peut appeler ça un roi. C'est la maison du bourge, en fait. Va lui casser ses vases. Tu lui demandes 20 balles, t'es... Vas-y, mec, va lui parler. Il était riche, 20 euros. En plus, il est en pleine dépression. Quand je suis venu, là, il était tout content, tu vois. Va lui parler. Hein? Que fais-tu là, jeune homme? Tu ne réponds pas? Nina, ma fille unique, s'est fait enlever et il paraît qu'on la retient dans une île effrayante, la forteresse maudite. J'ai déjà demandé à plusieurs personnes de lui porter secours, mais cette île semble quasi inaccessible. Je tiens à Mina comme à la prunelle de mes yeux, c'est ma fille unique, elle est ce que j'ai de plus cher. Je me fais un sang d'encre, je ne dors plus. Toi qui es jeune, peux-tu faire quelque chose? Je t'en prie, aide-moi. Veux-tu bien m'aider à retrouver ma fille? C'est d'accord.
Oh, si tu permets à me rendre service, je te récompenserai. Je te donnerai autant d'argent que tu veux, autant que tu veux. Ah, malheureusement, je peux pas encore sauver ta fille. 10 000 Et l'argent, je voudrais l'avoir là. Et l'argent, j'aimerais bien l'avoir là. Tu peux commencer à me donner 20 balles, s'il te plaît. 20 balles pour le début des enquêtes. Pas moins. Et surtout plus. Gros radin dans l'âme, t'imagines. Le gros pauvre, tu sais. Ouais, là, tu mets de la thune. Hein. Ouais, c'est vrai, tu me parles de la beauté, toi. T'es bien placé pour la beauté. Poule. Non ! Saute ! Saute, mec, il est encore là. Non, non, il est plus là. Ah ouais, ici. Ici, il y a de la thune. Ton gamepad est presque déchargé. Ah. Bon. Bah, c'est pas grave, il y a encore du temps, non ? Souvent, toi. Ouais, il est juste dans le rouge, ouais. Ouais, ça va. Ah, il me marque en plus. Voilà, 66, les amis. Là, ouais, là, dans les feuilles, là. Là ? Ouais. Il y a un... Oh ouais, putain, ouais. Putain, il... Putain, okay. Il y a un 5 rubis en plus, mec. Merci. Maintenant, je pense que le dernier endroit, ce serait dedans. Regarde. Ouais. Dedans, il y a plusieurs vases. Il va pas faire comme les vieux. Non. Il va pas faire comme les vieux. Ouah, il faut 100 balles. Non, ils vont me dire, vas-y, casse-les. Ah, fais-toi plaisir. Enfin, souvent, il y a de l'argenterie, c'est ça le problème. Ah, voilà. Non. Oh, là, bon, elle est loin avec ça. Tu les as même pas fait tomber, tu sais, ça a juste roulé. Boulos. Thug life. Bon, il manque 8 rubis. Bah, t'es une minute, de toute façon, le gamepad va se décharger et ma caméra va se décharger. Bon, on va sauter là. Attends, je veux juste choper, je veux juste acheter la voile et ça sera impeccable. Non. Il n'y a pas beaucoup de thunes à mercantile, moi je crois qu'il y en avait plus. Ouais, sinon je vais aller dans les maisons, pire. Je pense que c'est le meilleur moyen, non? T'en penses quoi, Dorian? Ah, je cherche, mais j'en vois pas. Eh, t'es allé derrière? Derrière. Le mec qui vend ses bombes. Ah ouais, il y a de la thune là-bas. Il me semble. Ah, c'est vrai, ouais. Ah là. En plus, il les vend pas cher, c'est bon. Ah, impeccable. Beau gosse. Exactement ce qu'il me fallait. En plus, tu pourrais lui acheter des bombes avec la monnaie. Ça, il est pas cher. Attends, je vais juste vous faire voir. Les amis, il est largement pas cher, lui. C'est donné. Par contre, il m'a su 8 minutes, ouais. De toute façon, pire, si j'achète pas aujourd'hui, c'est pas grave. Prochain épisode, les amis, de toute façon, on va faire du mercantile. S'il y a un truc que je veux faire avant. Bien, c'est pas cher. Regardez, ça va, beau gosse. Tu as la poudrerie. Fais ton choix. 10 000 balles. Je ne pense pas que tu puisses te les offrir avec tes économies, garçon. Si, hein. Alors, tu peux te le permettre, garçon? Bah oui, attends, large. Compris, oui. Ce n'est pas dans tes moyens, alors dehors! Allez, débarrasse-moi le plancher. Tu m'étonnes qu'il n'y ait personne. Ah, on voit direct le mec là qui me démonte. Hein. Elle me dit, compris, t'es une merde. Ça, ce qu'il me dit, hein. Un or. Mais à la fin, t'as une bourse de 5000 rubis. À la fin, ouais. À la fin, t'as du coup, même si tu veux, tu pourrais pas. Bah, à la fin, je sais pas la bourse que t'as. Si, c'est 5000. Vas-y, c'est bon, je vais te l'acheter. Ah, affaire conclue. Merci beaucoup. Merci. Je vous prends donc 80 rubis et grâce à cet argent, je vais enfin pouvoir monter ma boutique. Bien, cher client, chose première, chose due, voici. Et c'est exactement ce qu'il me fallait. Vous obtenez une voile de bateau, ici et là, sur votre bateau et en route pour l'aventure. Ah, vous avez fait une excellente affaire, cher client. Cette voile de bateau est la plus résistante au monde, celle qui m'a sauvé la vie. Prenez-en grand soin. Bon, voilà les amis, on s'arrête ici. On se plantera plus. Macam en peut plus. Le gamepad en peut plus. Merci d'avoir regardé ce 3ème épisode. Dans l'en peut plus. Merci d'avoir regardé ce 3ème épisode. Et à très bientôt pour le 4ème épisode. La prochaine fois, on fait la quête pour un appareil photo là qu'on a eu. Ouais. Bye bye. Allez, bye.